Et bonjour à tous, c'est Akoris, et on se retrouve sur Odyssée. Et ben, on va aller taper de la gorgogne, hein, écoutez. Je le sens qu'à moitié, mais allons-y, on va voir. Tu as enfin trouvé quelque chose? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé la lance du mercenaire. Il dit qu'elle a été fabriquée pour tuer des créatures mythiques. Alors que le massacre commence. On lui dit pas la suite? Non, t'es sûr? C'est sûr qu'il faut pas la prévenir. Le fait que c'est sa copine, la gorgone. Hein, mais c'est peut-être elle qui avait fermé en plus. Brice, attends! Nigeria! Nigeria! Mais t'aurais dû la prévenir avant! Boulet! Malaga! Brice! Tu ne sais pas où tu. Brice! T'as passé où? Ah! Eh bah oui, forcément. Il y a des fausses à serpents partout. Ça va être nickel, ça. Bon, du coup, on évite... couche-panier. Alexios, c'est un serpent, tu vas réussir à le tuer, oui. La quantité de serpents là-dedans. Il y en a un qui voulait ouvrir le coffre, il a pas eu. Moi je l'ai. Ouais, par là, ça me semble pas mal, hein. Ah bah oui. Un seul mythe parle de victimes transformées en statues de pierre. Bah oui, c'est une méduse. Oh, on est en plein dans... Oh! Ligeia? Non! Ligeia? C'est obligé. Brice! Bon, elle, on va l'affronter en mode mage. Je sens bien que ça va être bien chiant. Oh putain! Ah, il faut pas lui faire face. C'est quoi l'affaire? Il faut se mettre à... Putain, qu'elle va être chiante, elle. Non, on n'a pas moyen de la toucher. Ah oui! À faire, c'est que... Oh putain, on fait rien. Que quand elle fait ça, on a moyen de lui mettre une flèche et d'avoir un peu plus d'impact. Ouf.
se faire toucher pour ça, par cette connerie. Donc je peux pas venir au corps à corps parce que sinon elle me défonce, mais j'ai l'impression que bouton ça va. C'est de la brûler, hein, du coup. Mince. Oh, le gaspillage. Oh, bah, même pas, c'est pas si bien que ça. Non, avance. Ça va que quand STP, du coup, il faut arrêter le truc en même temps. Mais tu vas me foutre la paix avec ton truc là? Ça va bien, oui, tu vas me laisser un peu venir au corps à corps quand même, parce que sinon je sais pas si j'ai pas fini moi. Hein. Est-ce que je... Elle est où là-bas? Hop là, raté. Elle est sérieuse, elle se TP à chaque fois que je lance mon attaque, quoi. Voilà, elle va rappeler ses potes, là. On a encore plus que tout à l'heure, c'est nickel. Ah, et puis là, j'ai rien pour me heal, hein. Mais ça peut me permettre de régénérer un petit peu au final. Voilà, j'ai repris toutes mes... Voilà. Ok. Elle se TP à chaque fois, cette grognasse. Avant qu'elle finisse son truc, là, elle se TP pas.
Vous êtes par là? Non, et derrière. Ça sert à rien de le faire, elle va rappeler ses potes, je suppose, hein, d'accord. Voilà. Je sentais bien que ça allait pas tarder. Hop là, oh, on se calme. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'avant, là. Là, elle en fait 5 maintenant, ici. Non, même pas. J'ai pas le droit pendant tout le temps où elle fait ça de bouger parce que si elle me touche, si elle m'effleure, c'est foutu. Merde. Elle est où? Ah bah elle est juste devant moi. Nickel. J'ai plus rien là. J'ai agi par... J'ai agi par orgueil. Je peux plus me heal. Elle est où? Merde. Il faut
la touche même qu'une fois. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai remis le feu. Il y a moyen. C'est bon, elle est morte. Oh merde, non. Voilà, c'est bon. Ligeia a dû ramasser l'artefact et se transformer en cette créature. Ah, il y en a sûrement un bon paquet. Et une pomme de plus. Enfin une collection de pommes. Oh. Quelqu'un, je te le dis, plus tard, se souviendra de nous. Oh bon, on se souvient de Méduse, y a pas de souci, mais je suis pas sûr que ça soit comme ça qu'elle voulait, quoi. Eh ben, elle fut bien compliquée. Mais c'est bon. Servait les muscles. Donc j'ai débloqué une... Ah bah, l'épée de percée. Mais Méduse, c'est pas Percé qui l'a pas tué. Bon, peu importe. On va ramener ça, hein. Ça va être un gros épisode, là. Enfin, un gros épisode. Je veux dire, je ramène ça et on va voir ce qui va se passer. On va sûrement voir la fin de cette partie de l'histoire. C'est une très bonne chose. C'est bien. Allez, c'est le dernier. Pardon, il y avait presque peu. Je te fais marcher là où il n'y a presque rien. Effectivement, c'est peut-être pas le. Allez, on va voir ce qui va se passer par la suite. On finit une grosse partie de l'histoire là. On finit tout un. Bah, en fait, regardez. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, les quêtes d'Odyssée, donc votre Odyssée, on a 4 quêtes. Donc celui-là où on doit reconstituer la famille, celui-là où on doit traquer le culte de Cosmos, celui-là où on a les portes de l'Atlantide. Et ça, c'est. C'est les quêtes qui est à côté. C'est la suite où... Je sais pas du tout celle-là, tiens. C'est quoi là-dedans? La track. Non, moi je l'ai pas encore celle-là, a priori. Bah si, c'est bizarre. Les quêtes associées, la track. Ça va être... C'est pas les comptes? Quête extension. Non, je sais pas à quoi ça correspond du coup. Bon, peu importe. Mais là, dans l'Odyssée, en tout cas... bah, attendez. Ça surligne. Ça, c'est Atlantide. Non, bon, je sais pas. Il s'indique pas encore, donc je sais pas. J'en suis à combien, là? C'est même pas si avancé que ça, hein, pour la traque du culte. Cet endroit contient les réponses au salut de l'humanité. Là, j'en suis le dernier. Certain. Alors, allons-y pour une petite cinématique. Formidable. Cet artefact va nous rapprocher de la fermeture. Il a bien failli me rapprocher de ma tour.
toi qui voyages parmi les temps. Félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croisent. Là, il parle à Leila. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement? N'est-ce pas une reconstitution de l'animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. Ah ! C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que des divagations folles. Pas vraiment. Toi, Pythagore. Peut-être cette invitation est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. C'est tout ? Ah, révélation antique. Incroyable. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen ? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il ? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Ah, il faut qu'il l'accepte sans séparer. Encore. Tu t'égares, je crois. Je veux pas être enfermé à l'intérieur. Bon, saisis-toi. On ne peut pas rester ici. Le temps presse. Il y a tant à apprendre. Ce savoir nous permettrait de modifier le cours du destin. Ce n'est pas notre destinée. Tu l'as dit toi-même. Tu perds de vue ce qui compte vraiment. Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit. Et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. On ne peut pas on va éviter de se le taper dessus, c'est pour bon, c'est tout ça. Tu ne comprends pas. Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité. Ce n'est pas de l'orgueil. À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes? C'est ce que tu voulais à tout prix éviter. Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin. Nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu. Tu as raison. Je ne peux pas sauver l'humanité. Mais je peux la protéger d'elle-même. Ouais, alors si tu peux éviter de nous enfermer à l'intérieur, ça m'aiderait. C'est ton fardeau, désormais. Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix. Oh, bah nickel. J'ai bien compris. Alexios, choisis sagement. Oh, je sens le choix que j'aurais dû sauvegarder avant. Ah merde. Ah bah oui. Il était tenu en vie par l'artefact. Oh, c'est pas grave si t'as perdu ton père. T'avais pas un grand intérêt pour lui, que je sache. C'est l'Atlantide. Enfin, l'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller.
retour dans le présent. Tout est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Nickel. Quelle puissance. Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part ? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issou. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Bah, oui. Reste à arranger ça. Bah, il manque une pomme, quoi. C'est celle qui se balade, je suppose. Attendez, ça marche comment, leur faisceau, là ? Ah oui, les faisceaux, ça monte de là-haut. Mais oui, il manque une pomme, quoi. Bon, du coup, l'épisode est sûrement relativement long. Mais écoutez, hein, moi, je continue parce que là... On s'arrête pas maintenant, c'est tout. T'as bien appris à grimper en attendant, toi. Hein. Comparé à Odyssée... En même temps, elle a été formée par les Templiers entre temps. Par les assassins. Ah. Leila, apparemment cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Ah, c'est tombé. Je suis tombé. Alors. D'accord, on peut déplacer ça. Mais il faudrait déjà déplacer celui-là. Allez, on va intercepter. Ah, il y a les trucs qui sont tombés, donc. Tac. Alors, on est dedans. Toi, tu vas intercepter là. Il y en a un qui renvoie de l'autre côté. Ouais, non, il n'y en a pas un qui va renvoyer particulièrement là-bas. Mince. Je suis pas sûr que ça renvoie bien au bon endroit. Si. Ouais, tu renvoies pas toi, c'est nickel. C'est d'un côté que ça renvoie. Pourquoi il renvoie pas? Bah, je veux dire, il atterrit en plein milieu là. Ah. Ok. Ça y est. Donc en fait, il n'y avait pas besoin des pommes pour l'allumer. Il fallait juste qu'il monte là-haut et qu'il joue avec les miroirs. C'est ce que tu es en train de me dire? On s'est bien emmerdé pour rien. Non, les pommes doivent toujours être à l'intérieur. De toute façon, personne n'est venu ici a priori. Donc s'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour tout activer, ça serait déjà activé depuis longtemps. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qui se passe ? Le vrai savoir consiste... Quoi ? C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Oh, sérieux ? Impossible. Il est resté enfermé, ce couillon. Oui. On m'appelait le porteur d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'est pas vraiment moi que tu cherchais. N'est-ce pas ? Non, il va lui refiler le bâton, il va mourir devant nos yeux. Non. L'artefact Issou. Le bâton d'Hermès Trismégiste.
Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. Tu connais mon nom ? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venu ici dans un but précis, te trouver et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende ? Oh, non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. Bon. Je veux pas. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... comment ? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Les amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Tu es la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre, Layla. J'ai pris part à non. trop de guerres. J'ai vu trop de gens mourir. J'ai parcouru la terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Non, j'y tiens pas vraiment. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Non. Mais le costume lui allait bien. Mais... oh, c'est horrible. Sinon, vous vous rendez compte qu'avec un mec comme lui dans les assassins, vous défonciez tout le monde. Non, je... enfin non, il veut pas... il veut l'équilibre, il veut pas les assassins. Que je, n'ai pas vu. Je devrais retourner dans l'animus et retourner voir Alexios. Ah bah oui, oui, non, t'inquiète pas, on va y retourner. Hein. Mais du coup, là, je crois qu'on a fait la quête complète, en fait. L'histoire principale, elle est faite, je pense. Bon, après, il y a les autres quêtes, hein, on est d'accord, mais... qu'est-ce que vous faites ici ? Tu nous connais ? Nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas, Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui, mais un monde perdu. Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Oh, bouh, je non, je pense pas, instant, non. Mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. Mais vous ne pouvez pas dire existe. Ça. Incroyable. C'est vrai. Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Je te le dirai un jour. C'est assez compliqué et ça prendra des heures. Tu ne dis pas ça à cause de moi. J'ai prouvé que j'avais de la cervelle. Je suis épuisé, Barnabas. Oublie-le. Tu me le diras quand tu seras prêt. J'aurai besoin de tous les détails. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Oh bah oui, on parle à personne, Hérodote. Mais il faut que le monde le sache. Voilà. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote,
Oh. Bon, je l'écrirai, on s'en souviendra juste dans des siècles. Alors, c'est pas grave. Allons de l'avant. Comme toujours. On en a appris beaucoup, hein, Fontaine de Savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Nous ne saurons jamais ce qui est vrai, vous avez tous les deux raison. Qui sait, tout est possible. Et tu le sais, toi, le demi-dieu porteur d'aigle. Peut-être que lui aussi est immortel. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette odyssée. Ah, héros d'autre part. Techniquement, j'ai pas fini la partie famille, ni celle du culte, hein, donc... Il m'en reste encore pas mal, mais on a fini une grosse partie du jeu. Atlantide détruite. Oh bah du coup elle est pas vraiment vu que... Alors attendez, il y a quand même une incohérence dans l'affaire. C'est que ça, il aurait fallu qu'on le fasse tout à la fin. Parce que là, il est ressorti, donc il est pas resté dedans. Ou il est retourné à la fin. Voilà, peut-être. Il y a beaucoup à faire, et beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Bon, et eh ben écoutez, on va s'abandonner là pour aujourd'hui. Moi, je rejoins mon bateau à la nage parce que parce qu'ils ont pensé à se garer extrêmement loin, à s'amarrer. Même pas, ils sont même pas mariés. Ils sont... Bon, et eh ben écoutez, on s'abandonne ici. On se retrouve très bientôt pour la suite. Hein. On va continuer notre track du culte et retrouver notre famille. Allez, à toutes.